Salut les amis, c'est Fred de Guitare Facile. Au programme de cette vidéo, on va apprendre à jouer Smell Like Teen Spirit de Nirvana à la guitare acoustique, les accords, les rythmiques, les petits trucs en plus, bien sûr la démo pour voir à quoi ça ressemble. Et en fin de vidéo, je vous donne une petite anecdote rigolote sur le morceau. C'est parti, on y va pour les accords. Pour jouer ce morceau avec l'arrangement qu'on va voir ici, il faut un capot en 1. Les fans de Nirvana diront « Ah, blasphème !» Mais vous verrez au fur et à mesure que pour pouvoir jouer de cette manière-là, il faut le capot en première case. Les accords, il y en a 4. 4 accords de puissance. On va avoir le Mi 5, le power chord de Mi, le Mi, le La, le Sol en troisième case et le Do. Tout ça, c'est des power chords. Et bien, c'est parti. Maintenant, on va voir la rythmique. Pour les rythmiques, on va commencer par la rythmique de l'intro et du refrain. On va faire deux choses différentes. Un aller-retour, où on gratte pas comme d'habitude. Mais il va falloir ajouter à ça des ghost notes. Les ghost notes, qu'est-ce que c'est? Je bloque mes cordes et je fais juste un check. Donc ce n'est pas noté, c'est juste un coup rythmique. On va faire la rythmique suivante, où on va jouer le 1, le 4, le 5. Sur le 7, 8, 9, 10, on va faire des ghost notes. Le 11 et le 13, on va faire la rythmique. On va jouer les notes. Et le dernier, 15, 16, on va faire des ghost notes. On va changer d'accord en plein milieu, le 11 et le 13, c'est l'accord suivant. Donc on va faire donc notre Mi sur le tout début jusqu'à 10, et après on va faire 11-13 en grattant le La. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, avec des ghost notes. Les ghost notes vont permettre de passer d'un accord à l'autre. Donc vous allez voir, c'est le mouvement finalement de déplacement vers l'accord suivant qui va permettre de faire aussi les ghost notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La même chose avec Sol et Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si j'enchaîne tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, on va voir comment améliorer encore un petit peu cela. Notre Mi. Si je gratte tout, j'ai un Mi mineur. Donc on va plutôt positionner en majeur en essayant de gratter que les trois premières. Le passage sur le La, on va garder le doigt ici, on va positionner que les deux. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Et on va faire pareil pour le Sol, on va rajouter ce doigt-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. On va ensuite utiliser l'index pour bloquer légèrement le gros Mi, pour éviter qu'il vibre, pour éviter d'avoir ça. Mais pour avoir ceci. Bien sûr, c'est un peu plus rapide. Voilà pour la première rythmique. La rythmique du couplet va être la suivante. Alors, il va falloir faire les mêmes accords. On va jouer Mi, Mi. Et on va faire corde de Si, corde de Mi. Mi, Mi, corde de Si, Mi, Mi, corde de Si, corde de Mi. Ensuite, on va faire encore un Mi. Et ensuite, on va faire La, La, Rien. Donc, Mi, Mi, Si, Mi, Mi, La, La, Rien. La ligne suivante, ça va être Sol, 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 Rien, Do, 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 Rien. Donc si je refais Mi, 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 La, La, Rien, Sol, 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 Rien, La, 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 Rien, Mi, Mi. Quand on y a rien, on évite de gratter trop fort. On a plutôt envie d'entendre les trois premiers coups et le dernier beaucoup plus léger. Donc ça va vraiment faire.
Voilà pour la deuxième rythmique. Lorsqu'on arrive au pré-refrain, le hello, 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 how low, on va juste faire trois fois le mi, le coup moins fort à vide, trois fois le la, le coup moins fort à vide, trois fois le sol, le coup moins fort à vide, trois fois le do, le coup moins fort à vide. Et l'idée, ça va être d'augmenter le volume petit à petit. Et après, on va partir sur un refrain. Voilà, donc c'est à peu près l'idée du morceau. Ensuite, on va voir un pont. Le pont, on change un peu. On va faire 4 fois le mi. Et on va faire un accord en plus qu'on n'avait pas vu, qui était le fa, qui est à la même position que le sol. Mais on va faire en première case. Donc mi, 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 fa. Et là, on va tout de suite positionner notre majeur sur la deuxième case corde de sol parce qu'il va falloir la jouer. Et en plus, il va falloir tirer un peu dessus pour lui donner un côté un peu faux. Et après, on va faire mi, 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 la. On est en cinquième case. Sol, on est en troisième case. Donc, on ne va pas faire le la ici, on va le faire ici. Mi, 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 fa, je tire. Mi, 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 cinquième, troisième. Mi, 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 fa, je tire. Mi, 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 la, sol et après. Voilà, on a fait un gros tour de tout ça. Bien sûr, il y a la démo pour voir à quoi ça ressemble. Aidez-vous de la démo pour tout ça. Et maintenant, on va voir un petit truc en plus pour que ça sonne mieux. On va utiliser le palm mute, c'est-à-dire qu'avec cette main-là, je vais bloquer mes cordes pour avoir un son un peu plus sec. Pour ça, on va utiliser cette partie-là de la main qu'on va un peu coller au niveau du chevalet. Donc à vous de tester. Si je la mets trop loin, j'ai plus de son. L'idée, c'est d'avoir quand même une note qui est notée, mais de ne pas avoir quelque chose qui va être trop brillant. Je vais pas faire. Je peux faire. Voilà, donc à vous d'essayer de trouver la bonne position pour laisser vraiment pouce index libre avec le médiator pour pouvoir jouer ce morceau. La petite anecdote rigolote pour finir, eh ben, le morceau, le titre du morceau vient d'une phrase dite à Kurt Cobain. Qui est Kurt Smell Like Teen Spirit. Il a trouvé Smell Like Teen Spirit super. Il avait compris ça comme Kurt sans l'esprit adolescent. Malheureusement, l'esprit adolescent, c'était le nom du déodorant de sa copine. En gros, c'était Kurt sans le déo de sa copine. Il a appris ça une fois que le morceau était sorti. Voilà, et ben c'est à vous. Travaillez bien. Ciao, abonnez-vous, likez, commentez. Ciao, ciao.